Je vous préviens, cette vidéo va être courte. On va aller droit au but. Parce que je vous le promets, vous allez gagner beaucoup de temps. Allez, c'est parti! Alors comme tu l'as vu dans le titre, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose de sous-côté, les templates. Si tu sais pas ce que c'est qu'une template, regarde. Voilà. Voilà, nos percussions préférées, elles sont ici, et notre mixeur est organisé, trié, prêt à composer. Comme tu viens de le voir, je pense que rien qu'en ouvrant FL Studio, t'as compris la puissance des templates. Maintenant, je vais te montrer une prod que j'ai fait vraiment en 10 minutes avec cette template. Donc j'ouvre le projet. Voilà, donc j'ai ouvert la prod, donc là on observe bien que j'ai exactement la même template que j'ai utilisée juste avant. Et comme ça, vous pouvez voir en même temps le mixeur comment je l'ai organisé. Bon voilà, t'as eu un petit extrait de la prod. Maintenant je sais pas si t'as remarqué, mais tous mes leads, mes instruments principaux, sont reliés à un même bus. Et ce bus est relié directement au master. Et c'est le master qui envoie dans tes enceintes. Pareil pour toutes les percussions. J'ai relié toutes les percussions à un même bus. Et j'ai même fait un bus exprès pour le sidechain, pour le kick et la 808. Et l'intérêt de faire ça, c'est de disposer son mixeur prêt à accueillir chaque instrument et de pouvoir mixer plus rapidement par la suite et ne pas se prendre la tête tout de suite à « Oh, faut que je réfléchisse à l'instrument et puis faut que je le mixe et puis machin. » Alors que là, l'intérêt de la template, c'est vraiment d'avoir déjà tout prêt et, tu l'as compris, de gagner beaucoup de temps. Bon, maintenant, je vais te montrer comment créer ta propre template. Tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert un nouveau projet. C'est un template, donc un basique. Du coup, je vais créer mon propre template. Donc la première étape pour créer son template, c'est d'aller dans le mixeur et désigner des pistes pour pouvoir insérer les instruments. Donc de 1 à 4, je vais dire que c'est mes instruments 1. Donc lead 1, lead 2. Pour renommer, moi je fais clic de la roulette, sinon vous pouvez faire clic droit, rename and color, lead 3. Une fois que j'ai fait ça, j'aime bien c'est donner des couleurs parce que ça permet visuellement de mieux identifier où sont nos instruments. Donc pour cela, il suffit de rester appuyé sur CTRL, sélectionner toutes nos pistes et faire clic droit, change color, et on va mettre un bleu. Donc ces 4 potentiels instruments pour ma prod, je vais les relier à un seul insert qui sera le bus des instruments. Donc je l'appelle bus lead. Lui aussi, je vais lui donner une couleur, mais peut-être un peu plus différente. Voilà. Donc là, cette fois, on a bien nos leads avec le bus lead. Donc chaque instrument, bien sûr, je vais le relier du coup à ce bus. Donc pour cela, il suffit de sélectionner l'insert qu'on souhaite relier. Voilà, sélectionner. Et faire clic droit ici. Et route this track only. Donc ça permet de l'instrument numéro 1 de le relier directement au bus lead. On fait pareil pour tous les autres. C'est que je sélectionne les 3 qui me restent. Et route this track only. Donc ça veut dire que chaque piste ici sont assignées à ce bus. Et le bus est bien relié au master pour qu'on puisse entendre. Et l'intérêt majeur de faire ça, c'est de pouvoir ajouter des effets uniquement sur le bus. Et du coup, tous les instruments seront affectés par l'effet ajouté sur le bus. Donc moi, généralement, sur chaque bus, j'aime bien rajouter un petit EQ. Voilà. Et après, même sur chaque instrument, vous pouvez rajouter des effets que vous avez l'habitude de rajouter. Par exemple, un compresseur, un delay. Donc maintenant, je vais faire la même chose pour les percussions. Moi, j'aime bien commencer par la snare. Après, j'aime bien mettre le clap. Après, j'aime bien mettre le kick. Après, j'aime bien mettre les hi-hats. Après, j'aime bien mettre les hi-hat rolls. Enfin, les rolls de hi-hat. Et après, j'aime bien mettre les open-hats. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Bien sûr, la 808, la grosse basse. Donc là, idem que pour tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes nos pistes. On va lui donner une couleur. Allez, une petite couleur rouge. Voilà, une petite couleur rouge. Ici, on va créer un bus pour les percussions. Bus percus. Perc, très bien, avec une couleur un peu différente, ouais, peut-être celle-là. Donc là, on a notre bus de percussion, pareil, on va lui rajouter un petit EQ. Et puis, bah pareil, on va relier toutes nos percussions au même bus. Donc pareil, on sélectionne toutes nos pistes. Pour sélectionner tout, il faut rester appuyé sur CTRL et avec la souris, vous sélectionnez. Et puis après, vous faites ici, route to this track only. Et là, je dois te montrer encore quelque chose pour bien finir ta template. C'est de positionner directement tes instruments au bon channel rack. Ça veut dire que la prochaine fois que tu vas réouvrir FL Studio avec ce template, eh ben, tes kicks et tes claps seront directement assignés dans le mixeur. Ça veut dire que si tu le fais une fois, bah, ça sera bon pour toute la vie, tant que tu gardes ton template en vie. Ouh, beaucoup de vie. Alors pour faire ça, par exemple, le kick, moi le kick je l'ai mis sur l'insert numéro 8, donc je vais le mettre direct sur le 8.
Après, le clap, je l'ai mis directement sur le 7. Donc, je mets sur le 7. Faites bien la table des correspondances avec votre mixeur. Et puis, je vous assure, vous allez gagner du temps. Donc là, on va passer à la dernière étape pour finaliser la template, bien sûr, c'est de pouvoir l'enregistrer. Donc, pour pouvoir enregistrer, il suffit de cliquer sur File, Save As. Et une fois que vous aurez fait ça, il faut parcourir ce chemin dans votre ordinateur à l'endroit où vous avez installé FL Studio. Je vous mets le chemin dans la description si vous ne savez pas. Si vous ne trouvez pas, bah, allez chercher dans votre ordinateur FL Studio 20. Après, il suffit d'aller dans Data, aller dans Template, aller dans Other et cliquer sur Template de base de Trap. Du coup, j'en fais une deuxième pour vous montrer et enregistrer. Donc là, pour pouvoir l'ouvrir, bah, il suffit de fermer, réouvrir FL Studio. Donc là, on observe bien qu'il n'y a rien qui a été ouvert. Donc pour pouvoir l'utiliser, il suffit d'aller dans File, New from Template. Et là, on a tout de suite notre template de base de Trap. Et là, on a exactement ce qu'on a créé tout à l'heure. Notre mixeur, notre channel rack qui est automatiquement assigné au mixeur. Et vous n'avez plus qu'à composer. C'est magique. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as compris comment créer une belle template sur FL Studio. Si tu as des questions concernant FL Studio ou la production musicale, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. J'en ferai sûrement une vidéo pour te répondre. Et d'ici là, je te dis à la prochaine, c'était Enjoy, salut.